Yashu. Pola. Yashu. Pola. Yashu. Il n'est pas porté comme Pola. Est-ce que c'est toi, tu dois quelqu'un à Abidjan ici, là, tu peux dormir? Ah, mon droit, moi, il est droit. Tu dors. Il a dit la personne qu'elle faisait pour lui, adieu. Ah, c'est ça. C'est ça. Yasmin, tu as un mauvais fou. Hein? Ah non, ça a bien Dieu. Même Adjamon, toi, on prend un crédit. Mais lui. Et si on prend chez toi? Hein? J'ai entendu. Ah, si toi, tu prêtes à quelqu'un, comment ça se passe? La personne peut dormir aussi. Chez moi, quoi. Hein? La personne dort. Yeah, il dort pas. De... Ah, tu chutes. Non, ah, il dort pas. De... Mais souvent, il laisse pour moi. Dieu, quand il sait qu'il doit à trop de gens, il dit c'est la façon de laisser pour moi. C'est quoi vous faire que les autres gens. Tu dois laisser pour moi. Voilà. Yasmin. Il y a quoi? En fait, on va parler aujourd'hui de dettes entre deux copines. Dette ou bien crédit? De crédit, en français, c'est facile. Non, quand c'est dette, là, c'est on beaucoup. On est en vacances. De dans dette, français, alors, parce dette que c'est des millions, on va parler de millions. Ah, d'accord, de dette. On connaît que Ludovic. Elle a habitué à prendre crédit, elle connaît le nom de carence oui, de crédit. Oui, oui, crée pas un Ludovic. Bon, vous la laissez, moi, y a parlé, oh, y a pas. Y a pas. Hola. Oui. Accouche. Vous savez, dans la vie, il y a deux types. Enfin, de débiteurs. Bon, débiteurs, ceux qui doivent de l'argent, quoi. Il y a deux types de personnes. Il y en a qui sont comme Yasmine, là. Mmh. Ils vous doivent de l'argent, mais ils sont au foot. Ils vivent la vie. Pardon, ils voyagent. Donc, que, voilà. Maintenant, il y en a comme nous, là. Bon, moi, je ne dois pas à quelqu'un. Comme nous. Mais comme nous, là. Nous, quand on vous doit, là, on fait pitié, pitié. On est. Pour que vous ayez pitié pour oublier le crédit. Est-ce que tu comprends, Chantal? C'est comme ça, on fait. C'est comme ça, on fait. Oui. Mais il y a eu un problème entre Maureen Haïté, PDG des entreprises Nana Wax, je pense que vous connaissez, qui est une boutique de vêtements, et sa copine Diane Audrey, qui est entrepreneur camerounaise. Cette je vous explique l'histoire. Maureen a l'habitude de prêter de l'argent à sa copine Diane Audrey. À chaque fois qu'elle la sollicite, elle lui donne de l'argent et Diane Audrey rembourse cet argent-là. Ça veut dire que, par exemple, toi, tu as l'habitude de donner crédit à Yasmine. Tous les jours, elle me rembourse. Bon, tous les jours, elle me rembourse. On va prendre ça. Tous les jours, elle me rembourse. Sauf que dernièrement, elle me demande 3 millions. Elle a demandé Nana Wax a prêté 3 millions à Diane Audrey, que Diane Audrey n'a toujours pas remboursé jusqu'à l'heure où je vous parle, et ça date de depuis 2019. 2019? Oui. Donc, Diane Audrey, Nana Wax la relance, mais Diane, c'est comment mon argent? Diane dit, aïe, c'était crédit. Moi, je pensais que c'était cadeau que tu m'avais donné. Aïe! Aïe! C'est mon argent, je t'ai prêté 5 000 euros, donc tu dois me rembourser, donc 3 250 000 francs, tu dois me rembourser. Elle me dit, moi je ne savais pas. Donc elle la relance, à un moment elle ne répond plus. Diane ne répond plus au message de Nana Wax. Le comportement de Yasmine, elle ne répond plus. Donc Nana Wax, énervée, sort sur les réseaux pour la dénoncer, pour dire, mais Diane, rembourse mon argent, comment ça se passe? Donne mon argent, donne mes dos. La dame ne répond pas, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse une semaine passer, deux semaines, et elle va porter plainte contre Yasmine. Yasmine, pardon. T'es bon, tu prends crédit. Yo, elle va dire Yasmine. Elle va porter plainte contre Nana Wax. C'est elle qui a pris crédit, là, qui n'a pas encore remboursé, là. Voilà. Comme nous, on t'a parlé sur les réseaux, c'est elle qui va porter plainte. Plainte. Ah. Elle lui demande... Tu n'as pas honte. Elle lui demande 11 000 euros, c'est-à-dire 7 millions de dommages et intérêts, plus 3 mois de publication dans le magazine, dans un magazine très connu, pour redorer son image. Donc, la go, elle doit 3 000 euros à sa camarade. Elle ne donne pas. Sa camarade, c'est fâche. Elle vient l'afficher sur les réseaux sociaux. Elle, c'est fâche. Elle dit, pourquoi sa camarade l'a affichée sur les réseaux sociaux? Donc, elle, elle va monter plainte pour que sa camarade l'a donné 7 000 euros. Et puis, maintenant, ça rentre dans tout le truc. Et puis, maintenant, ils sont fâchés. Et puis, on ne sait pas, à ce moment-là, où elles sont arrivées. Voilà, c'est le discours qu'elle a. Donc, tout ce que tu vas dire ici, qui accuse les gens que je connais, que je sais, je suis avec toi. Merci. Ah, tu l'as donné. Non, laissez-nous en discuter. Les gens qui prennent crédit ici. Donc, voilà le truc, le décor est planté. Moi, dans mon cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça, c'est une très bonne question. Maintenant, t'es en train de demander. Voilà, donc, bonsoir. Aïe. Ça va, tu vas bien dans ça va. Bon, crédit, il y a beaucoup de sortes de crédits. Parce que ça, c'est un crédit pagnon Ludovic. Pourquoi il a dit ça? Un crédit pagnon Ludovic, il a dit que depuis 1980, c'est la copine. Donc, elle lui donne les crédits pagnon sur crédit pagnon sur crédit. Pourquoi ça devient Ludovic qu'elle a l'habitude de rembourser? Donc, dans le remboursement, maintenant, elle a fait un petit wa-wa. Et dans le wa-wa ouvert, elle a pris le jeton. Maintenant, jeton, elle a pris la mutuelle. Là. Yévin Nelly a dit que c'est dans son sac Zara. Elle a enlevé les 3 millions pour donner à l'autre, qui a mis ça dans son sac Chanel. Bon, dans mon cas, ce que je peux dire, elles n'ont qu'à Dija. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à baisser leur cœur. Mm-hmm. Aller à la police, ça ne fait rien. Tu vois, non? Ils n'ont qu'à avoir pitié, c'est des seuls, ils n'ont qu'à s'en. Si ils parlent, c'est pas bon. Ah bon? Ce qu'il y a dit, c'est pas bon. Si tu fais publicité de sac ici encore, je vais te mettre dehors. Eh, c'est vrai. Je vais te mettre dehors.
Il faut lui pardonner ses péchés. Ah, donc, on va poursuivre. Le monde. On va poursuivre. Continue. Parce que, bon, toi, tu n'es pas tout dans l'histoire des femmes. Donc, de toute façon, toi-même, tu donnes l'argent à femme. Toi. Attends, ton affaire des mains dehors, dehors, là. Ça, c'est bon, pardon, c'est bon. C'est bon. Je t'en donne. Non, merci. Oui, je veux. Tu as dit non. Tu as dit, elle a dit non. Deuxième papa, va. Vous